Je vais vous dire ceci. Vous allez avoir un signe. Et le signe que vous allez avoir va venir du PDCI-RDA. Le signe que vous allez avoir va venir du PDCI-RDA. Le signe que vous allez avoir va venir du PDCI-RDA. Le temps pour que les ténèbres prennent fin sont accomplis. Et quand je vous parle d'accompli, je vous parle de maintenant où je suis en train de vous parler. Et je vous dis, le signe de la manifestation de la lumière va venir du PDCI-RDA. Parce que le PDCI-RDA va être frappé par un deuil auquel il ne s'attend pas. Ce parti va être frappé par un deuil auquel il ne s'attend même pas du tout. Il n'aura même pas vu ça venir. Alors que je vous parle, alors que je suis en train de vous parler, vous allez voir ça, mais de façon assez rapide. Tout le monde va être surpris par la nouvelle. Tout le monde va être surpris par la nouvelle, parce que personne n'aura vu ça venir. Ce signe marquera la fin d'une ère. Ce signe marquera la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère qui s'élève sur votre nation. La République, pour obtenir le pouvoir exécutif, les meilleures conditions d'organisation d'une élection présidentielle juste, transparente et démocratique. À cet effet, comme je l'indiquais dans mon adresse à la nation, l'opposition significative ivoirienne, composée de la CDAP et de PDS, est engagée à entamer un dialogue politique constructif avec le pouvoir exécutif pour parvenir à la réconciliation nationale, garde d'une paix définitive et d'élections présidentielles crédibles et démocratiques. En effet, la décrispation de la vie politique requiert, outre d'autres exigences, la libération de tous les détenus politiques de la crise post-électorale de 2020. L'abandon 2010, autant pour moi. L'abandon des poursuites et l'annulation des dernières condamnations au tribunal d'Abidjan à l'encontre du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Par ailleurs, je demande solennellement ce jour l'abandon des poursuites judiciaires à l'encontre de Noël Akosibendo. Je demande la libération de Jacques Mangwa et celle des élus et cadres membres des partis politiques dénommés RACI, MBCI et GPS. Ces exigences, ces requêtes rejoignent l'homélie prononcée le 30 décembre 2019. Le cardinal Jean-Pierre Courtois, archevêque métropolitain d'Abidjan, y a demandé avec forte supplication lors de la messe dédiée à la 53e journée mondiale de la paix au président de la République de libérer les partisans de Soro Kibakuri Guillaume, mis aux arrêts le 23 décembre 2019 et de surcroît aux poursuites engagées au harcèlement engagé contre l'intéressé lui-même. L'archevêque Abidjan a dit en substance ceci: Monsieur le Président, je vous supplie de faire sortir de prison
ceux qui ont été arrêtés dernièrement, la paix est chemin d'espérance, chemin d'écoute et chemin de réconciliation. Et d'ajouter à la droite du président de la République, ne te laisse pas ronger par le désir de vengeance. Ne te laisse pas déstabiliser par la rancune, sinon tu y laisseras ton âme. Il a ajouté ensuite, comprends tes ennemis, aime-les. Il a conclu en disant qu'un petit geste de solidarité peut rallumer une espérance et qu'il rêve d'un moment où nos leaders s'asseyent et s'écoutent. Malheureusement, vous constatez avec moi que la supplication forte et sincère du sommet de l'Église catholique en Côte d'Ivoire n'a pas donné les résultats escomptés, à savoir la libération des prisonniers. Dans la même veine, au nom de la paix, j'invite le pouvoir exécutif, d'une part à faire cesser les fouilles injustifiées, sans base légale, des domiciles, des personnalités politiques de l'opposition, et d'autre part à mettre fin aux tracasseries subies par celle-ci. Cette invitation tire sa signification et sa portée de l'adage qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » À bon entendeur, salut. Chers compagnons, je voudrais insister, comme vous l'avez indiqué, sur l'impérieuse nécessité de la loi promulguée portant création de la commission en charge des élections pour la rendre impartiale, autonome et neutre, conformément à l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Du maintien en l'état actuel de la Constitution, toute opération de modification de celle-ci à 6 mois de l'élection présidentielle risque de perturber le jeu démocratique en pleine année électorale où les partis politiques, déjà en préconcert campagne, s'organisent à choisir leur candidat conformément à la Constitution en vigueur. La reprise, depuis le 9 janvier dernier, du dialogue politique entre le gouvernement et les partis politiques pour l'élaboration et l'adoption du nouveau code électoral n'est pas compatible avec une modification de la Constitution qui interviendrait après que le code ait été adopté. En conséquence, chers compagnons, je voudrais réaffirmer que la révision de la loi promulguée portant création de l'organe en charge des élections et le maintien en l'état de la loi fondamentale constitue le point de départ de la décrispation politique et permettra, comme le souhaite notre cardinal, de briser la dynamique de méfiance prévalant en Côte d'Ivoire. Je salue donc votre ferme engagement à vous opposer démocratiquement à toute modification de la Constitution en vigueur. Enfin, dans l'intérêt supérieur de la nation, en vue de parvenir à une dévolution du pouvoir d'État à la force politique majoritaire
lors du prochain scrutin présidentiel, j'invite le pouvoir exécutif actuel à proroger le délai de validité des cartes nationales d'identité. De même, vu l'extrême pauvreté de nos populations, j'invite le gouvernement à opter pour la gratuité de l'acquisition des nouvelles cartes nationales d'identité. Et ce, en vue de faciliter l'inscription sur la liste électorale de tous ceux qui seront en âge de voter en octobre 2020. Voilà, chers compagnons, les centres d'intérêt politiques majeurs qui devront nous préoccuper et guider chacune de nos revendications politiques, aussi bien au sommet du parti que sur le terrain, au cours des prochains mois, en vue d'une victoire du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Tous, autant que vous êtes, je vous fais confiance, car vous avez fait preuve de loyauté et de fidélité au parti de juin 2018 à ce jour. Oui, nous avons résisté à la liquidation du parti voulue par certains des nôtres, parti rejoindre le parti unifié RHDP. En conséquence, dans la poursuite de cette action hautement militante, je voudrais inviter particulièrement les structures spécialisées, des femmes et des jeunes, à entreprendre dès ce mois de janvier, sur le terrain, la remobilisation des militants, sympathisants et sympathisants du parti. Cette remobilisation doit s'accompagner d'actions concertées et combinées avec les structures féminines et de jeunesse des partis membres de la CDRP et de PDR. Chers jeunes PDCIRDA, notre action politique est orientée à vous permettre d'accéder aux hautes responsabilités dans la chaîne de commandement de l'administration ivoirienne, telle notre victoire à l'élection présidentielle.